Ouais, je l'équipe bien ou bien, c'est la base, les gars, je suis avec mes deux potes. Bien, Bilal, tranquille. Ça va et toi? Tranquille, et toi, il se bien? Ça le sent. Bon, les gars, c'est parti en fait. C'est une vidéo qui est très spéciale en fait. C'est un concept avec les 8 youtubeurs. Il y aura un planning à respecter du 13 mai au 13 juin, les gars. En fait, on est 8 youtubeurs. On présente les 8 groupes de la Coupe du Monde. Moi, j'ai le groupe D, c'est simple, qui est composé de l'Argentine, l'Islande, Nigeria. Et le dernier, c'est quoi? Croatie. Pourquoi Croatie, les gars? Parce que là, ça va être un quiz Croatie. Vous connaissez la Croatie? Bon, les gars, c'est simple. Il y aura là, ce mercredi là. Il y a ma. Oui, je sais pas. Quoi? Bon les gars, c'est simple, là on est mercredi 16 mai, après il y en aura un le 24 mai ou quoi, mais je sais pas encore, je vous affiche le planning là tout de suite direct sur vous. Bon les gars, là cette vidéo elle est sortie le mercredi 16 mai, l'autre il va sortir le 7 jours après, ça fait combien de temps? 7 jours après, ça fait combien de jours? Le 24, oh retenez, le 24, 1er et 9, c'est bon? 24, 1er et 9, c'est bon? 24, 1er et 9 quoi? Bah... 24 mai, 1er septembre. 24 mai, 1er septembre. Non, ça va pas. Allez, c'est parti. 24 mai, 1er juin et 9 juin. Du coup, là, les gars, la première vidéo, elle sort ben, aujourd'hui, le 16 mai. Là, les gars, on n'est pas le 16 mai, mais je dis 16 mai parce que ça doit sortir le 16 mai. Et la deuxième vidéo, les gars, je sais pas ça sera quel pays, parce que je vais en faire en fonction de mes envies. Du coup, ça sera le 24 mai après le 1er... Pas le quoi, le 1er juin. Merci, Yanis. Et après, le 9 juin, les gars. Bon les gars, c'est parti pour le quiz. Bon, vous êtes prêts? C'est sur la Croatie les gars, parce que je vous présente l'équipe. Et on va commencer par la Croatie, parce que l'Argentine, je pense que je vais le garder pour la fin. C'est parti les gars, première question, mettez-vous devant parce que je dois regarder les questions. Voilà. Le capitaine actuel de l'équipe de la Croatie, c'est qui les gars? Je vous savais pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pris ces deux là, parce que footballiste. Bon, vous avez pas... Ah, arrêtez. Bah, donne un indice. Frère, le capitaine actuel de l'équipe de la Croatie. Idriss Labase. Je vais vous afficher normal, je vais tout mettre là, ce que vous dites, puisque vous êtes des 2B. Moi aussi, j'ai... Il est très très fort. Tu vois, tu me sors un... Très très fort, frère, il est Croatie, frère. Un Croate qui est très très puissant. Je connais un peu le joueur, mais pas le gardien. Enfin, gardien dans la Croatie, c'est le meilleur joueur de la Croatie, il est super connu, les gars. Quoi, il a pas dit gardien? Non, j'ai dit le meilleur, le capitaine actuel de l'équipe de la Croatie. J'ai dit c'est le meilleur joueur pour moi de la Croatie depuis bien longtemps. Mandzukic? Non? Non. Comment il s'appelle? Celui de. C'est Modric. Ouais? Mais après, ils vont descendre! Il a dit Mandzukic, ça va là! Quand Mandzukic joue? Frère, moi aussi frère. Ouais mais Modric il est 100 fois frère. Ouais mais écoutez moi mais y'en a pas à part. Bon, un point pour vider. Allez c'est parti. Deuxième question. C'est la deuxième question. Oh tu nous sors des quiz de la Croatie. Mais ça n'a rien à voir frère. Alors la Croatie c'est connu frère. Quelle est, c'est pour toi ça parce que t'es fort en géographie. Quelle est la capitale de la Croatie? La capitale de la Croatie. Novalia. Mais mec vous êtes sérieux? Erfleshin. Non sérieux, oh mais vous êtes sérieux des bacs à la main. Il y a des réponses. Moi je savais, c'est pour des teubés alors. Ouais, alors t'es un morceau de trou de bas fini. Et lui il est nul. Ça commence par un Z, frère, par un Z, une capitale. Zagros. Ça commence par hasard. Zagreb. C'est ça, il est pas. Zagreb. Mais alors, je te l'ai dit. Zagreb. Je te l'ai dit. Bon bah, un. Arrête de mettre des coups, là. Ouais, mais là c'est impossible, il trouve les gars. La vidéo elle pue des bouts, mon cœur. Vous êtes trop énervé. Quel est le meilleur buteur de tous les temps de la Croatie? De tous les temps? Ouais. Et je vais vous dire un truc, il est super connu. Et il a mis 45 buts en 69 sélections. Et deuxième ballon d'or derrière Zidane. Genre il y avait ballon d'or, Zidane et c'était le deuxième. Je sais pas si c'est un Croate. Attends, j'ai une question, est-ce qu'il jouait à la Juve? Non. Il jouait. T'es sûr? Il jouait à. Vas-y toi aussi tu poses des questions, tu sais, tu les connais même pas les réponses. Si, je te jure je le connais lui, pas Arsenal. Il jouait à Arsenal? Ouais. Il y a combien de temps? Je dis juste son prénom. C'est Davor. D'abord, Sugar. C'est Sugar. Tu vois, c'est qui Sugar? Bref, les gars, cette question est. On la laisse tomber. Là, ça va être deux questions, ça va être facile. Un Croate qui joue à l'Inter. Il est super connu, frère. Son prénom. Je l'ai dit tout à l'heure. Ivan. Rakitic. Non, presque. Ah, mais tu m'as dit, je joue à l'Inter, merde. Tu sais quoi? Vas-y. Tu sais quoi? J'ai une idée. La photo, on a un partenariat avec One Football. Pas pour rien. Parce que One Football, on va aller à l'Inter. Vous allez. Vu que tu connais pas le Croate qui joue à l'Inter, hop, on va sur l'Inter. Effectif. Allez, trouve le mot maintenant. Brozovic. Brozovic. C'est ça? Ah, mais ils sont deux, ces bâtards. Mais toi, tu parles de. Ah non, mais en fait, ils sont deux. Tu parles de qui, toi? Mais en plus, c'est même pas Ivan. C'est Perisic. Putain, mais je croyais que c'était pas deux, moi. Bon, c'est pas grave. Bon, là, vous êtes quitte. Un autre. Bon, allez, le deuxième, c'est un Croate de Liverpool. Croate de Liverpool?
Ouais. Qui joue actuellement? Ouais. Mais est-ce que tu l'as connu là? L'effectif? Oui, oui, très très bien. Bah, ouais, attends, il joue quel poste? Attends, on va deviner quand même quel il poste. Joue défenseur. Ah, après ça, on fait appel à OneFootball. Vas-y, défenseur. Défenseur de Liverpool. Un prénom? Déjà. T'as le nom de famille? Attends, c'est dans le début. C'est dans le début. Lovren. Bah ouais, c'est Lovren. Lovren, d'accord. Ouais. Vous avez de la chance, en fait. Fallait dire avant. Mais normal, oh, OneFootball, vous savez, parce que c'est écrit croisé et tout. C'est bien précisé. Hein. Bon, l'équipe, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit quiz vous a plu. Mais surtout pour eux là, franchement, ça fait plaisir d'être avec eux dans cette vidéo parce que. Plaisir partagé la base. Ça vous a plu? Même si vous êtes vraiment trop nul au foot. Déjà, même dans la vie, dans la vraie vie, ils sont nuls au foot, les gars. Oh, écoutez-moi, j'ai envie de dire. C'est un gros mytho. Il était fort quand il avait 14 ans. 50 kilos. Maintenant, regardez. Ouais, ouais. La graisse parle d'elle-même. C'est vrai, j'avoue. Voilà. Bon, amenez les gars. Des chocolats pour le consoler. Bon, les gars, je vous invite aussi, surtout demain, à aller sur la chaîne de Benz. Prenez soin de vous, les équipe et on se verra le 24 mai ensemble pour un nouveau pays et un nouveau quiz et avec des autres potes à moi. Les gars, c'était la base. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.